Et moi, quand ça mouline beaucoup comme ça, je quitte sur ça. Les mêmes choses, toujours les mêmes choses, les mêmes choses. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu, oh, tel a fait ceci, tel a insulté cela, machin et tout, quoi? C'est la malchance. Où est le volume? Pardon, connectez-vous. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Connectez-vous, les amis, connectez-vous. Je suis très fâchée. Le fâchement de ça. Le fâchement de ça. Hélène, bonsoir ma soeur. En poste. Bonsoir ma chérie, bonsoir. Tu vas bien? Tu vas bien? Tu as passé un bon week-end, j'espère. J'espère que tu as passé un bon week-end avec tes loulous. Shivani Abombo, bonsoir, ma sistou. Giovanni Marie, bonsoir ma petite soeur à moi. Du sèche Sylvie, bonsoir maman Jean. Eke, bonsoir à vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis très fâchée aujourd'hui où vous me voyez là. Très, la douce Yatagabo, Ambolo, Mbolo Mojang. C'est arrivé. Comment ça? J'étais où depuis? J'étais. Ma chérie, j'étais là, non? Merci, ma belle Hélène. J'étais là. Tu vas dire, bon, tu veux que je sois où? Anne-Marie Tam, bonsoir, oh, bonsoir ma soeur, bonsoir. Je suis très fâchée. Je vais ramasser les gens de Paris aujourd'hui. Je suis très fâchée. Vous savez, quand les gens parlent de leurs historiques, on se bat dans la France. Nous tous, on se bat en France, non, ma soeur? Christine Benahé, ma star à moi, bonsoir ma belle, la diva, bonsoir, notre diva de Bretagne, bonsoir ma chérie, bonsoir. Donc, oui ma chérie, nous tous on se bat, Mbeng. On est tous en France, on se bat, faut pas se fier aux apparences, on se bat. Mais moi je suis très fâchée, Charlotte Perrin, ma fille à moi, bonsoir ma chérie. Ouais, tu es pressée, je suis fâchée, je suis fâchée. Fâché jusqu'à ça n'a pas de nom. Nia. Nia, bonsoir. Bonsoir. Tu vois, j'enlève même les cheveux pour que tu regardes bien. Bonsoir, Nia. Tu vas bien? Tu as passé un bon week-end? Ça se passe bien dans ta famille? Tout est bien là-bas chez toi? Eh bien, merci. Moi aussi, ça va. Je te remercie. Alice Charles, bonsoir, ma chérie. Bonsoir. D'accord. Moi, je suis très fâchée parce que moi, je ne veux pas trop les éloges. Vous, les vieilles rombières de Paris, là. Vous, les vieilles rombières de Paris. Je connais Paris comme ma main. Je connais Paris comme ma main. Je vous ai toujours dit ici que je suis. Minagnitos, salut, oh, salut, bonsoir, Mojang. J'espère que tu vas bien. Tu as passé un bon week-end aussi. Je te dis quand même bonsoir. Je vous dis et je vous redis une chose. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans vos milieux que ça ne veut pas dire. Vous parlez de moi à Paris, dans n'importe quel nganda de Paris, je serai au courant. J'ai aussi mes abeilles. J'ai aussi mes battanteuses et mes battanteurs dehors. Donc, quand vous vous amusez avec, à faire vos mères ponts en prononçant mon nom, à vous traiter you, je vous traite aller-retour. Parce que moi, je ne cherche pas les problèmes à quelqu'un ici. Vous, les vieilles corom-corom de Paris, là, vous qui nourrissez les hommes, vous qui avez rendu les hommes camerounais gigolos, vous êtes des femmes?
Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes, je vous pose la question. Vous êtes vieilles putes. On connaît tous vos réseaux. Vous êtes des femmes. Vous êtes qui? Bande de chiennes. Ouvrez encore vos sales gueules pour parler de moi. La battante, on veut son dossier. Vous pouvez avoir mon dossier. Je traite avec vous. Je traite avec la racaille comme vous. Je traite avec vous. Je traite avec vous. Je vous connais. Ça s'arrête là. Mais on ne traite pas ensemble. On ne parle pas dans les mêmes... Même, je ne traite pas avec vous. Et désolé. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Donc vous voyez quelqu'un, si on veut la tête. Vous voulez ma tête? Vous voulez ma tête? Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai donné mon fax. Hein? Vous êtes les baquis. Vous les chiennasses là. Vous êtes des femmes, les nourrisseuses de gigolos. Vous nourrissez les gigolos, ils vont se vider les bites ailleurs. Vous êtes des femmes, vous? Vous pouvez me parler? Hein? Minba. Zize binga ya Paris, min binga. Vous êtes des femmes? Quel homme vous garde? Hein? Quel est l'homme qui vous garde chez vous? Vous gardez les hommes à la maison. Une fois que vous avez le dos tourné, l'autre, votre agent de la putasse. Votre agent de la putasse sert à quoi? Hein? Vous voulez me parler à moi? Hein? C'est quoi? Vous êtes déjà... C'est quoi? Je n'ai même pas encore... Comme, vous êtes pressé de signaler. Ne soyez pas pressé de signaler. J'ai mon souffle. Vous, les filles de Paris, sont, mais vous êtes à désirer, quoi. Vous êtes des nourrisseuses d'hommes. Vous êtes des engraisseuses d'hommes. Vous engraissez les hommes. Tous vos hommes de Paris sont des ventrus. On vous dit que moi, Élise, je peux sortir avec un homme ventru, moi. Et vous allez vous asseoir dans vos ganda de merde où on vous pine derrière les chaises pour 15 euros pour appeler mon nom. Vous voulez ma tête? Vous voulez ma tête? Je viens à Paris vous donner ma tête. Je viens à Paris vous donner ma tête. Et on veut la Élise battante, la machin. Elle se prend même déjà pour qui? Sorry. C'est vous qui m'avez amené sur les réseaux sociaux. C'est vous qui m'avez amené sur les réseaux sociaux. Bande de chiennes. Bande de vieilles putes. Bande de corum-corum. Bande de vieilles chouettes. Alors des vieilles chouettes aux yeux globuleux d'hibou. Vous êtes des femmes. Nourrissez vos gigolos, hein. Nourrissez vos gigolos, après ils vont vous larguer comme des vieilles chaussettes trouées. Parce que c'est ce qui se passe. Oui, sur les réseaux sociaux, on voit comment un homme va chercher une petite yoyette comme je suis bio. Vous pensez que si vos hommes de Paris là me voient passer, ils ne vont pas me faire la cour. Je vous ressemble. Je vous ressemble. Est-ce que je vous ressemble? Vous êtes des vieilles chouettes. Des vieilles corum corum. Même le Ndjang sang ne prend plus. Même le Ndjang sang ne prend pas sur vous. Ne prend plus. Même le Ndjang sang ne veut plus vous prendre. Vous m'avez vu? Je ne vous ressemble pas. Quand j'entends, j'ai demandé à ma personne, à ma battantesse, ma battanteuse, aujourd'hui que la prochaine fois, fais une photo en douce, tu m'envoies ça. Fais la photo où elles sont assises. Maman, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Maman, des vieilles choses comme ça, là. Vous avez déjà encaissé tous les vieux bangalas de Paris. Maintenant, vous encaissez tous les beaux ailleurs de Paris. C'est comme ça qu'ils vous tapent. C'est comme ça qu'ils vous giflent. Qui vous traite de moins que rien? Vous êtes des femmes? Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Donne-moi des chibanyagonya comme ça là. Moi, tchao, tchao, fâcha, Élise là. Élise, non, c'est pas l'Élise là. C'est Élise battante qui a les gros seins comme ça. Maman, j'ai des gros seins. Venez arracher mes seins. Ce sont mes seins aussi qui vous font mal. Allez voir des chirurgiens. Allez voir des chirurgiens. Ayez vos seins.
Opérez-vous, foutez-vous du silicone. Si vous voulez des gros nibards, ne revenez plus sur ma route. Ne pensez pas que parce que vous parlez à qui? Je vous connais. Je vous fréquente. Je fréquente votre merde. Je ne suis pas une fille de Paris. Vous êtes de la merde à l'état pur. Vous êtes la merde à Paris. Les filles de Paris sont de la merde à l'état pur. Vous êtes de la merde à l'état pur. Vous êtes toutes là à courir derrière des gigolos, à faire ceci. Oh, tel m'a baisé, je l'ai hébergé, je lui ai fait ceci, je lui ai acheté une chaussure, je lui ai fait ceci. Vous avez entendu que moi, Élise, j'ai acheté une chaussure à un homme? Hein? Maman? J'ai fait un regroupement familial, mon mari s'est retrouvé en Europe, hein? Bande de chénasses. Vous me valez? Hein? C'est les mères qui m'aiment ça? C'est les maquis, ça même, qui parle aux gens là. Hein? Nourrissez vos hommes. Nourrissez vos hommes. Nourrissez vos gigolos. Vous pensez que moi, Élise Batane, je vais quitter où j'habite pour venir baiser vos hommes ventrus là? Vos buveurs de. Vos suceurs de clitoris à dessous là? Hein? Ah, c'est les maquis même ça. On va où là? On va où là? On tombe sur la tête? On tombe sur la tête? Ah, ouvrez encore vos bouches sur moi. Je ne suis pas votre égale. Vous êtes vieille. J'ai peut-être fait beaucoup d'enfants, mais personne d'entre vous. Vous êtes des vieilles rombières. Vous êtes obligées de faire le njansang pour être des femmes. Vous m'avez vu? Je fais le njansang. Ah, pour me dire que je suis belle. Oui, moi je suis belle. Oui, Élise est belle, mais à l'état naturel. Oui, je suis une vraie beauté africaine. Hum? Ah, moi les chiennes comme ça là. Les ratés de leur vie comme ça. Ah, vous ratez vos vies, vous venez vous en prendre aux gens. Les gens viennent sur les réseaux sociaux, vous venez faire le gnari, on va gnagnon, machin et tout, jusqu'à on voit, vous ici, la personne vous dit que non, laissez la fille là, vous insistez dans la bêtise. Hein? Bande d'éboueuses. Vous êtes des éboueuses. Vous êtes des femmes éboueuses. Les filles de Paris, je le dis, hora, vous êtes des femmes éboueuses. Vous prenez que des éboueurs, en fait. Oui, des gens qui sentent la merde. Oui, c'est ce que vous valez. Des hommes qui sentent la merde, ce sont des gens, des hommes qui vous pinent. Je suis désolée, c'est ça. Des hommes qui vous pinent, ce sont des hommes qui sentent la merde. Hein? On vous dit que je pine avec n'importe quoi, moi. Les Arabes, vous êtes là. Vous pinez pour 20 euros. 30 euros, on vous prend pas le cul. Vous faites toute la merde du monde entier. Et c'est vous qui venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour vouloir insulter une jeune fille bêtie comme moi. Mouf chienne. Mais bim, Anden est bonne. Oui, Anden est bonne. Je ne rigole pas avec vous aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas là. Je ne mange pas votre merde. Vous faites votre truc. Vous voulez les milliards de vues, c'est votre problème. Mais j'en ai rien à foutre. Ah! Des éboueuses comme vous. Vous êtes des femmes, maman. Vous êtes d'abord laides. Vous avez tous des gros ventres et des gros culs derrière comme ça, là. Vous avez toujours des gros doudounes sur vous. Vous êtes des femmes. On peut vous inviter dans un grand restaurant. On ne vous amène que dans l'Inganda. Oui. On vous amène que dans l'Inganda. C'est où est votre place? Dans l'Inganda. Où on vous baise derrière les canapés, là, leurs vieux poufs qu'ils mettent. Parce que vous êtes des filles à pouf. Vous êtes des femmes à pouf. Vous êtes des femmes en pouf. Regarde-moi ça. Élise battante, on veut sa tête. Mes chéris, venez chercher ma tête. Mais je ne traîne pas avec de la merde, moi. Vous avez bien compris? Je ne suis pas une brebis galeuse. Hein? Je ne suis pas une brebis galeuse. Vous me valez? Vous me valez?
Je ne suis pas une brebis galeuse. Vous êtes là-bas, vous discutez. L'homme qui pine Claudette, pine Chantal. L'homme qui pine Chantal, c'est comme ça que vous vous transmettez le sida là-bas. Hein? Vous vous transmettez le sida. Vos hommes mettent les talons. Les hommes ont le cul ouvert. Et c'est sur moi. Hein? Moi si. Vous m'avez bien vu. Vous m'avez vu? Je vous ressemble. Je ne suis pas une vieille chouette. Je ne suis pas une corum comme vous. Vous avez raté votre parcours avec vos mains brûlées. Hein? Vos pieds qui ressemblent à ma couleur, à la couleur de mon visage. Vous venez dire que quoi? Élise quoi? Celle qu'on appelle que Kiki. Pardon, je ne prononce même pas ton nom. Ma chérie, t'as encore la malchance que je tombe sur une vidéo où tu parles de moi. Et tata Nyan Masson. Mais où sop? Mais en Yaoundé. Je vais tenir un live en Yaoundé du début à la fin. Mais où t'as? Parce que quand je te vois, tu as 4 enfants. Tu as combien d'enfants? Tu as 5? Comme moi. Mais tu es une épave. Tu es une épave sucale. Désolée. Tu es une épave sucale. Je ne suis pas une épave, moi. T'as compris? Tu me ressembles. T'as vu à quoi tu ressembles? Et tu, toi, je me dis, toi qui parles, tu parles de moi. Je me suis appris, Malène Mvoutou, je me suis prise à toi. Apparemment, ce n'est pas toi qui as prononcé mon nom. Ce n'est pas toi. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu as pris pour ton grade quand même. J'en ai rien à foutre. Parce que toi-même, tu n'es pas... Voilà. Bref. Essaye encore. Wataza. Wakoba Josa. A bien bu. Bien ou bien flan. On se ressemble. Tu me ressembles. On se connaît. Ah. Wataza. Wataza. Wayema. Wayema ve. On fonctionne. Tu as vu comment tu es laide, malgré le njangsang que tu fais. Tu as vu comment tu es laide. Tu es boutuflu. Tu es boutuflu comme quelqu'un, comme une femme qui boit que des somnifères. Tu es sur antidépresseur, ma chérie. Ma pauvre, ma vieille, ma chienne, ma tout ce que je te donne, sale chienne. Pardon, 5 enfants, 5 comme moi. Et c'est ta bouche que tu ouvres sur moi. Moi? Wabé lang, wabé au saut, wabé mi lomi jé à nous doro. Mi lomi jé à nous doro. A toi me jé dam, ma foule wo. Ma foule wo. Ma caron ma sim n'mbwana sim m'toba ben minga. Ma sim n'mbwan, yon me jomte, on jam foule ma, on jam kome me jé dam. On jam kome me jé dam. Bi wo, bi na moussa lou hein. Je ne te connais pas, mais ne tente plus ta main pont. Ne tente plus. Que ce soit la toute dernière fois. T'as compris? T'as compris? J'ai dit, hein? Tu as 5 enfants comme moi. Viens, on fait le défi. Faisons le mannequinat sur Facebook. Viens, 5, j'ai 5. Tu as 5, j'ai 5. Viens, on fait le mannequinat sur Facebook. Minalmi. Nyatom, tu prends mon nom. Bac. Élise, là. La Élise, ma tante, là. Mais bilan. Tu as compris? Anden. Je te dis ça. Macarona, Andenebonne. Tu sais comment on lave. On fait la toilette chez moi. Et tu sais comment on lave la chatte d'une femme? Chienasse, va. Ouvre encore ta sale gueule. Regarde-moi bien. Hein? Regarde-moi encore bien. Yon me jomte. Nyabre, c'est toi, mon Dieu, dame. Viens encore prononcer mon nom ici, là. Viens. La Élise, là. On se connaît? Mais ma chérie, je te connais pas. Je sais même pas si tu es au nord ou au sud ou à l'est ou tu sais, l'Europe est grand. Hein? Là, je parle d'Europe. Hein? Je parle pas de la France, je parle pas de la Suisse. Mais je t'emmerde, quoi. J'emmerde ta gueule. Je nique ta race. Tu es laide. Oui, tu es laide comme toutes les autres qui se croient belles, là. Vous êtes toutes des laides femmes. Des vieilles rombières.
Des camionneuses sans sous. Tu veux me parler? Tu racontes les 200 euros que les filles viennent tapiner dans ton appartement et toi tu me parles à moi? Moi si? Tu me parles? On t'a dit que je racole les 200 euros? Hein? Tu me vaux? Ouvre encore! Atania, ouvre! J'attends un deuxième poste où tu fais allusion à moi. Tu as compris? J'attends. Refais! Refais! Je n'ai jamais été balle au pied avec quelqu'un sur Facebook ici, mais je pense que toi et moi, comme je suis que. Moi, je. Chez moi, on dit et tout le je vais chercher où tu habites, je vais finir qu'avec toi là-bas. On nous filme. On part seulement sur Mondiovision. On nous filme. Moi, je tape comme un homme. Ce n'est pas le bébé. Tu as compris? Nya 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 nya. Elle me jumpte. Tu es qui? Tu es quoi? Tu te permets de parler aux gens comme ça? Tu es qui? Hein? Tu es qui pour parler aux gens comme ça, ma pauvre, ma vieille? Occupe-toi de tes gamins. Occupe-toi de tes rouflants. Ah, essaye de leur donner à manger. Je sais pas, moi. Hein? Occupe-toi des tiens. Tu es jalouse parce que j'ai un mari? Ah! Tu es jalouse que parce que moi, j'ai un mari? Ah bon? Ben écoute, je n'y peux rien si on te jette, si on te jette toujours comme une vieille chaussette, hein? Je n'y peux rien si on te jette toujours comme une vieille chaussette. Je n'y peux rien, c'est pas de ma faute. Hein? Sois gentil avec le mec. Sois gentil avec ton homme. Enfin, ceux qui te sperment dans le ventre. Ceux qui te sperment dans le ventre, là. Sois gentil avec eux. Avec eux. Dieu bindi. Afé bindi. Mais toi, je suis assise, ma chose, comme ça. Mon téléphone sonne. Gring, gring, gring. Élise, arrête ça. Élise, arrête ça. Élise, arrête ça. Arrête tes vidéos. Maman, dans la personne que vous avez vue sur Facebook, si pour arrêter ces vidéos, c'est moi. Hein? Maman, depuis que toutes les vieilles chouettes là sont là, elles font leurs vidéos à broyer comme des caïmans qui ouvrent leur large gueule pour attraper une proie. Donc c'est moi qui viens gêner. Mouf, chien, chibanya, chouane, me bilan, andené bonne, me biazout, le cul ouvert comme le tunnel du Mont Blanc. Mais c'est quoi ça? C'est moi? Jusqu'à quelqu'un prend le courage pour m'appeler? Élise, arrête ça. On parle de toi. J'étais assis comme ça. On parle. Et qui? On prenons de. Ouvrez encore, vous les femmes de Paris, là. Vous les femmes de Paris. Ou à toi, me Dieu dame. Ounidje. Azambouam. Ounidje. C'est pas que laissons un peu Facebook à part. Non. Facebook à part. Tu es qui? Tu es quoi? Zayemwo. Tu es dans le Sisongo. Tu es comme Azoulon. Tu es une Azoulon. C'est moi, c'est où le poisson va se cacher dans l'oignon de mon village. Tu es une Azoulon. Tu es qui? Maman, retente encore. Hein? Retente. Je vais chauffer Facebook sur toi. Parce que moi, je ne cherche pas. Ma djinki. Je ne cherche pas. Mais viens, viens bien. Mais viens en tenant bien tes talons sur le sol, hein. Tiens bien tes talons. Je ne suis pas là pour. Parce que tu vas m'avoir à boyer ou à parler à parabole, tout, 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 tout. Non. Refais encore l'erreur. Tu as compris? Refais encore l'erreur. Refais l'erreur. Je plie mon doigt. Parce que je me suis prise à une autre femme en pensant que c'était elle. Mais quand on m'a dit encore que c'est toi, toi ça, toi si, maman, on ne te dit pas que quand une femme accouche, on attache son ventre. Hein? Hein? Tu es qui? Maman, dans la société française, tu ne vaux rien. Tu es une apatrie. Tu es juste là pour, je sais pas à quoi tu sers. Tu sers à quoi? Tu fais même, je perds ma voix. Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Tu ouvres ta bouche, ta sale gueule à pipe. Tu n'es qu'une suceuse.
Tu es bonne à ça, juste pour sucer des bites. Ta bouche, tu n'es qu'une suceuse de bites. Tu n'es même pas le genre que même le client peut baiser. Tu as compris? Hein? Tu es bonne à ça. Tu es le genre de fille que quand le client arrive quelque part, il dit, oh, celle-là, oh non, juste une pipe. Tu es bonne à ça. T'as vu à quoi tu ressembles? Vieille vache. Une vache fanée. Une vache qui ne peut même plus donner du lait. Tu donnes encore du lait, toi? Hein? Tu es ménopausée. Tu as la ménopause. Tu as la ménopause. Prends des médicaments pour ta ménopause. Oui. Balop. Ne me parlez pas. Je ne vous ressemble pas. Ce n'est pas parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux que vous pensez que... Angéline Marie-Jeanne, tu as tout compris, ma soeur. Une vraie imbaisable, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Mais regarde-moi les vieilles choux. Les vieilles zibous. Des vieilles zibous, je n'y peux rien. Je ne vous ai jamais envoyé faire le njansan dans vos vies. Vous avez vu à quoi vous ressemblez? Vous avez vu à quoi vous ressemblez? Hein? Hein? Et c'est toi qui viens prononcer ma bouche? Mon nom? Moi? Le nom, mon digne nom? Hein? Woza. 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 Hein? Onidje. Onidje, onza. Laissez un peu souvent. Hein. En tout cas, attendez, je vais boire quand même une petite gorgée d'eau. De l'eau, hein. Pas de l'alcool, de l'eau. Parce que je vous connais. Vous avez eu. Allez encore faire votre njangi de malchance que vous faites. Allez encore faire votre njangi de malchance que vous faites. Je ne traite pas avec vous. Vous êtes tellement vieilles. Même si je veux des travailleuses sans salaire, je ne vais pas vous choisir. Vous êtes des vieilles rombières. Vous êtes des vieilles korom-korom. Même le clic-clic ne voudra pas de vous. Ah! Même le clic-clic ne voudra pas de vous. Je ne peux pas traiter avec des femmes comme vous. Vous êtes des sorcières sur deux pieds. Voilà, on signale mon direct. Envoyez les cœurs. Venez signaler mon direct. Vous avez déjà vu quoi? Vous signalez mon direct, je vous dois. Je parle de qui là? Venez signaler mon direct. Signalez. Envoyez les cœurs. Hein? Sinon, moi, je m'ai terminé et puis ce sera pour une autre fois. Partie remise. Envoyez les cœurs. On se ressemble. Vous et moi, on se ressemble. Je connais Paris comme ma poche. Je connais Paris comme ma poche. Vos petits lieux en bracata. Même où vous posez vos vieux camions là. Vous toutes là, vous êtes des putes. Vous êtes des putes. Aucune. Aucune. Aucune d'entre vous n'est une femme qui bosse. Vous êtes des putes. Ne t'inquiète pas, Jennifer. Je vais bloquer les têtes de mort, mais... Attends. Attends, tu fais bien. Je vais bloquer les têtes de mort, là. Ça y est, le téléphone, si. Vous êtes... Attendez. Facebook. Je suis à vous. Tous ceux qui envoient les têtes de mort, là, vous allez dégager. Je suis au 06... Numéro 1, il y a un peu de petit.
J'aurais à Facebook une image qui a aimé. Zéro six 77 26. Pourquoi je ne fais pas toujours des choses? Vous avez déjà eu vu quoi, la honte de ça? La honte de ça. Hein? La honte de ça. Signalez. Je n'ai pas fini avec vous, bande de vieilles chouettes. Vous êtes des femmes. Nourrissez vos gigolos. Nourrissez vos gigolos. Nourrissez vos gigolos. Vous avez compris? C'est votre boulot. Nourrissez-leur. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont des ventres de 9 mois. Quand tu vois une fille de Paris, hein, à chouette. Quand tu vois une fille de Paris avec son mari, son gars. Regarde son gars à côté. Ils ont des gros, gros ventres, les longs, longs ventres comme ça, là. Ils ont les fesses derrière plus que pour moi, si. Vous êtes les maquis. Vous êtes des femmes, vous. Hein? Après, ils vous abandonnent, ils vont chercher d'autres filles au pays. Et vous venez ici dire que vous êtes des femmes. Lesquelles femmes? Des femmes qui sont juste là, bonnes, à, bonnes pour la poire, bonnes à nourrir, bonnes à engraisser. Et après, Ali Charles, tu n'es pas bien. Ma soeur, tu n'es pas bien. Ils sont quoi? Dendim Trouduc. Ah, Joséphine, tu arrives trop tard. On veut déjà me bloquer ma ligne. Donc, moi, je pense que. Pourtant, j'étais chaude jusqu'à. Comme les autres, les sorciers et les sorcières viennent déjà envoyer les sales codes, tête de mort. Ouais. Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Maman, nourrissez les gigolos. Après, ils vont chercher les petites filles au pays. Tellement. Vous n'êtes même pas frigide. Tellement vous ne ressemblez à rien. Tellement vous dites que vous avez. Finalement, ils vont chercher d'autres femmes au pays. Hein? Claudette Akaba, tu veux intervenir? Vas-y. Si ce n'est pas pour m'insulter, parce que c'est mon live, tu m'insultes, je bloque. Je te bloque même à même. Donne-toi une page officielle comme décembre. Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de ça? Elles savent pourquoi écrire des pages officielles. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, quand tu crées une page officielle, ça veut dire que... Ah bon? Bon, appelle-moi alors inbox. On cause inbox. Dès que j'ai fini le live, on cause inbox. Des vieilles chouettes. Ce qui m'énerve, c'est que ces filles-là ont une audace pas possible. Elles pensent que parce qu'elles sont assises dans leur rue de Paris, là, hein, elles pensent qu'elles sont à l'abri, que quelqu'un qui me connaît ne peut pas me dire. Moi, je suis sur mes choses. On me dit que, merde, Élise, tu as fait quoi à qui sur Facebook? Tu as fait quoi à qui? Minalmi Totas, tu me connais même. C'est parce que ce n'est pas avéré. C'est les hommes dit. Si c'était avéré que j'ai entendu avec mes oreilles, je prononcerais son nom, Pian. Mais comme c'est les hommes dit et tout, machin, personne ne m'a inboxé où on prononce mon nom. La personne qui prononce mon nom sur Facebook, je parle de la personne Pian. Œil pour œil, dent pour dent, je n'ai peur de personne. Au point où j'en suis. Au point où j'en suis. Au point où j'en suis, moi aussi. Oh, j'encaisse. Comme j'encaisse les injures, là.
je les redistribue à qui le veut volontiers. Où j'entends. Je n'ai pas entendu. Oh. On m'a seulement dit. Aime-vous. Oui, dis-moi là, la vérité, c'est quoi? Pas de soucis, si, tant que c'est vrai, non. Et, vous savez, ce qui m'attriste, hein? Non. Oh. Un peu fort. Une bonne nouvelle. Frambe. Là n'est pas le problème. On ferait tu es là, bonsoir ma soeur. Ali Charles. Ali Charles, comme tu es ma personne, moi je vais te dire que j'ai le nom de la personne. Vrai, vrai, j'ai même vu. Mais la personne a aussi parlé en parabole, tu vois. Donc je reste, j'attends le feu vert de ma massa. J'attends le feu vert de ma massa, Marthe Zouachopa. Si elle me donne mon feu vert, je chie le caca merde. Marthe Zouachopa, ma massa, ma mojang. Si tu me donnes le feu vert, je chie sur elle. Tu connais? Moi, je chie sur elle. J'attends le feu vert. On me donne le feu vert, je chie sur elle. Parce que moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais j'attends le feu vert. Tout le monde a son patron sur Facebook. Marthe Zouachopa, c'est mon patron. Oui. Marthe Zouachopa, c'est mon patron. J'attends son feu vert. Si elle me dit Kacham, elle me dit Élise, tu as le feu vert. Vas-y, sans retenue. Facebook va prendre feu. Facebook va prendre un feu. Bonsoir, maman. Jean, je sais que tu es là depuis. Et ne sors pas ce soir que je te dois. Marthe Zouachopa, maman Jean Abi. J'attends ton feu vert. C'est toi qui me retiens. C'est toi qui me dis, Élise, laisse. Élise, laisse. Élise, laisse. Élise, laisse. Mais donne-moi mon feu. Donne-moi. Même bouche de cheval. Je vais m'en occuper personnellement. Je vais m'occuper des deux. Des deux moutongonismes. Bouche de cheval ou l'autre. Je vais m'occuper de... Mais j'attends seulement que tu me dises Kacham. J'attends. Dis-moi Kacham. Agou Kacham. Comme je n'ai pas encore le feu vert, je reste tranquille. Je stay cool. Je stay cool, ça se raconte comme ça se raconte. J'attends mon feu vert. Marthe Zouachopa, maman j'en a vie, je porte ton sac. Je porte ton sac jusqu'à l'éternité. Oui, mais donne-moi l'autorisation. Donne-moi l'autorisation. Donne-moi l'autorisation. Dis-moi Kacham. Dis-moi Kacham. Parce que je bouillonne. Je bouillonne, je bouillonne, je bouillonne. Je bouillonne, je bouillonne, je bouillonne. Dis-moi Kacham. Agou traité yi. Agou traité you.
Et je vais vous traiter. Je vais oublier que vous êtes mes soeurs bêtises. Mes mines sop. Mes mines terre. Mes mines beau propre. Mes mines beau. Pas dans la demi-mesure. Chez moi, il n'y a pas de petite cuillère. C'est la cuillère. M'bato. Chez moi, c'est le m'bato. Il n'y a pas de petite cuillère chez moi. M'bato. Mes mines beau. M'bato. Ah oui. Mais j'attends. Je suis une femme qui respecte ses aînés. Je suis une femme qui respecte le point de vue des gens qui m'entourent, des gens que j'aime bien. Oui, je suis ce genre de femme-là. Mais si on me donne l'autorisation. Envoyez les cœurs alors. Envoyez les têtes de... Envoyez les cœurs. Voilà les têtes de mort qui arrivent. Plus plein, plein. Charlotte, mais les mettre au boulot. Allez, envoyez les têtes de les cœurs là. Envoyez les cœurs. Donne-moi l'autorisation, Matos Ouachopa. Je suis open the door. Je suis open the door. J'ai envie de traiter tête de cheval. J'ai envie de traiter tous ces gens-là. J'ai envie de les insulter plus bas que terre. Moi, je ne suis pas dans leur petit poste, de vos petits postes minables là. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là. Je viens face à vous. Je vous traite ma bomina Amodiaja. Ma tamina, ma bomina, parce que je ne vous dois rien. J'ai mon chef. J'ai ma chef. J'ai celle qui me commande. C'est Mate Zouachopar. Oui. Tentez vos mères ponts. J'attends seulement. Parce qu'elle est là, elle m'appuie. Je l'appelle le matin, je dis que mère, laisse-moi. Élise, laisse. Je dis que m'aide. Laisse. Élise, laisse. J'en ai marre de laisser. En plus, par derrière, on me tag. Dans tout ça, on m'interpelle. Je vais vous faire ça du tête de cheval et l'autre. On va jouer entre âges égales. On va jouer en âge égal. Je vais vous traiter. Pas traiter pour que parce que les petits injures. Mais mine bon. Je vais mettre Facebook en feu pour vous. Mate Zouachopa, maman j'en avis. S'il te plaît. Dis-moi Kacham. Toi-même, tu avais dit que. Élise, je te fais confiance. Dis-moi Kacham. Dis-moi Kacham. Oh. Dis-moi Kacham. Dis-moi Kacham. Je vais m'occuper d'elle. Je vais m'occuper d'elle. Bintou, Mintéta. Je vais m'occuper d'elle. Bipez-moi Matezoa, bipez-la moi, peut-être qu'elle n'est pas en ligne là. Comme je n'ai pas inboxé quelqu'un, je n'ai pas épinglé les gens, tout ça. Bipez-la moi, qu'elle vienne me donner l'autorisation. Qu'elle vienne me donner l'autorisation. Kimoa, tu dis que quoi? Mon make-up s'améliore. Non, bipez maman, disons, je pas, pardon, bipez-la moi, qu'elle comprenne, parce que j'ai l'impression que quand moi je lui dis que non, laisse-moi m'occuper d'elle, elle me dit non, Élise, laisse, j'en ai marre de laisser, quoi. Faut que je m'occupe d'elle. Hein? Nous sommes là. À la guerre comme à la guerre. Si elle a pris sa retraite, maman Jean, si tu as pris ta retraite, prends ta retraite. Laisse-moi m'occuper d'elle. Tu m'as fabriqué, non, maman Jean.
Tu ne m'as pas fabriqué pour rien. Tu m'as fabriqué pour que je m'occupe de ce genre d'énergumène, quand même. Tu m'as fabriqué pour ça. Quand on fabrique les gens, c'est pour que les gens soient là. Non, j'attends. Je vais la voir demain matin. Elle va voir la vidéo, non? Elle va voir la vidéo. J'attends. Elle va me dire Kacham. Si elle me dit Kacham, je vais dire Amen. Je vais d'abord lui dire que toi-même ne viens pas regarder les vidéos parce que ça va être Asarasa Zoun Long. Ça va être Zoun Long, non. Tout produit est dedans. Toute bête est dedans. Tout ce qu'on trouve dans l'oignon est dedans. Ça, je vais. Vous avez de la chance. Vous avez une femme que elle est spéciale. Elle est toute que vous dites sur les réseaux sociaux, mais elle est spéciale parce qu'elle arrive à me contenir. Maman, j'allais vous faire ça. J'allais vous faire ça. Mais c'est pas grave. J'attends qu'elle me dise, Élise, tu as le feu vert. Occupe-moi de ces petites vauriens. Est-ce que vous êtes des vauriens? Occupe-moi de ces deux-là. Je vais m'occuper de vous. À armes égales. Je dis bien à armes égales. Waouh, Facebook. Les petites souffreteuses comme ça, hein. Vous arrivez, chacun rêve, je suis en train de. Oui, je suis le chien de Zoa. Kimora, oui, je suis le chien de Zoa. Oui, je suis son chien. J'accepte. Chacun porte son sac. Non? Comme toi-même, tu portes le sac de Foukoui. C'est comme ça que je porte le sac de Zoa. Ah, comment? Chacun porte le sac où il peut. Hein? Il porte son sac pian. Toi aussi, tu portes le sac de Foukoui. On va faire comment? On porte les sacs. Les vieilles chouettes de Paris. Les vieilles filles. Ce qui m'énerve à Paris, en fait, c'est que c'est des vieilles filles. Elles sont toutes vieilles. Pas vieilles d'âge, hein. Parfois, elles sont vieilles juste parce que la vie les dépasse, en fait. Parce que parfois, il y a des filles qui ont mon âge, qui n'ont même pas mon âge. Parfois, tu les vois, elles ne ressemblent à rien. Elles sont d'une tristesse. Elles ont l'air de porter tous les problèmes de France, des gilets jaunes sur leur tête. Mais les filles, décoincez-vous. Vous pensez qu'il suffit de nourrir les hommes pour que vous soyez des femmes? Vous ne pouvez pas seulement nourrir des hommes pour être des femmes, hein? Je suis désolée. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous êtes là, vous nourrissez les hommes. Vos hommes vont dans les ngandas, vous insultent. Ils voient des petites fesses des filles nigériennes là. Ils voient des petites fesses des filles équato-guinéennes là. Ils finissent de piner avec ces filles-là. Ils payent pour piner. Et après, ils reviennent vers vous. Et vous croyez que vous êtes des femmes? Vous? Vous pouvez être des femmes, vous? Des chiennasses comme vous, vous pouvez être des femmes? Hein? Vous êtes des femmes jusqu'à vous, vous allez vous asseoir dans l'Inganda. Dans l'Inganda, vous parlez de mon nom? Hein? Regarde-moi des souffreteuses comme ça. On vous dit que je souffre? Des souffreteuses, vous êtes des souffreteuses dans vos vies. Des filles sans valeur, des filles sans personnalité, des filles sans. Des filles bonnes à baiser, quoi. Bonnes à. Des hébergeuses. Vous êtes des hébergeuses, vous êtes des femmes hébergeuses. Vous êtes des femmes hébergeuses. Partez vous asseoir dans vos conneries là, où vous mangez les petites ailes de poulet. Si je veux manger des ailes de poulet, je pars dans mon barbecue, je fais mes ailes de poulet, moi. Hein? Elle me bien bité, mini binga. Sur tes qui? Elle me bien bité. Venez. Ici.
Je vais vous donner vos doses. One by one. Je ne suis pas dans l'hypocrisie de Facebook. Hein. Je ne cherche pas les vues, je ne cherche pas la starmania. J'en ai rien à foutre de tout ça. Moi, je vous ai dit que je suis venu ici me détendre, faire des connaissances, me faire des amis et tout. Mais je me rends compte que ça n'a rien à voir. Hein? Maintenant que je suis dedans, je reste, non? Je vais faire comment? Je quitte. Je gère mon dossier. Chacun gère son dossier. Comme chacune gère son trottoir. Défi des trottoirs comme ça, là. Tu fais le tapin à Château Rouge, tu t'appelles femme. Tu fais le tapin à Château Rouge avec des nègres, tu t'appelles femme. Des grosses bites de Mbangala, de Sénégalais, des Maliens, tu t'appelles femme. Maman, tu dis qu'après que je suis une femme, machin, et c'est les gros Mbangala de Niger, de Nadia, de toute l'Europe de l'Est là qui te pinent pour 20 balles, et tu viens ouvrir ta gueule pour sur moi, moi. Tu m'as vu? Hein? Quoi? Quoi? Si je veux les vues, tu fais quoi là? Si tu pars, non, ce sera un vue de moi. Ce sera une vue de moi. Pas. Il y aura un de moi à voir. Pas. Il n'y a pas de problème. On va où? Aller ailleurs. Et quoi? On ne peut même plus. Moi, j'aime de toute façon finir de dire ce que j'ai. J'attends. Ngrenga. Tu me demandes qui m'a provoqué. Il y a trop de gens qui provoquent les gens ici dehors. Il dit que des hébergeuses. Waouh, splendeur et va, c'est comment, non, ma soeur? Ma soeur du Nord-Ouest. J'ai une copine d'enfance, hein? Une fille du Nord-Ouest, c'est ma soeur à vie. C'est ma soeur à vie, ma soeur du Nord-Ouest. Mais Linda Monnery, je te fais rigoler propre, non. Maintenant que j'ai fini, même les mots me manquent maintenant. C'est les clashs qui donnent les vues. Apparemment, c'est les clashs qui donnent les vues. Vous aimez les clashs, vous les camez. Aïe, ça vous laisse. J'ai seulement l'une. Waouh. Bon, les amis, je vous aime bien. Il est tard, non? Ça va, ma chérie, ça va. Ah bon? Non, moi, je ne clash pas pour clasher. C'est quand on me cherche, non? C'est que... Ah, les cœurs de ça! M'assiste-toi à moi, les cœurs de ça. Non, mais vous allez dire que machin et tout. Non, moi je ne clash pas parce que ce n'est même pas une question de clash. Je viens de dénoncer des actes de certaines personnes qu'ils se permettent de dire des choses sur les gens. Moi, j'aime pas ça. On ne peut pas tous être d'accord. Mais si vous voyez ces femmes-là, c'est ce qui m'étonne. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans X ou Y ville, vous n'êtes pas tous forcément à Paris, mais allez un peu souvent à Paris. Vous voyez cette vieille rombière-là avec des trolleys, elle pousse des trolleys. Oh, Linda Monnery, merci ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, je les gère à distance. Hein. Elle me cherche, pendant qu'elle me cherche, je suis au courant qu'elle me cherche. Hé, je te jure! Elle me cherche jusqu'à elle s'asseye. Elles étaient six, hein. Hein? Elles étaient six. Ma battanteuse me dit qu'elles étaient six. Et en plus, c'est un homme. C'est mon pote qui m'appelle.
Mon pote, il est à Paris. Il traîne là-bas, il fait ses tchats, il fait ses trucs, il fait plein de ses trucs. Il me dit que Lise, fais gaffe. Je dis que, mais comment ça, je fais gaffe? C'est quoi? On veut ta tête. Hein? Mais quoi, déconnecte-toi, non, ma chérie ou mon chéri, quitte. Bon, les amis, on a fini de toute façon, non? On a fini. Bonne soirée à tous. Je ne ferai pas en direct demain. Quoi? T'en invité de quoi? C'est ta taille. Il y a quelqu'un qui veut chiptonner ta. Il y a quelqu'un qui veut voler ton cabas. Le sommeil ne vient pas. Bon, allez. Bonne soirée, bonne nuit. Amusez-vous bien. À bientôt, non. On est ensemble. J'attends le retour et j'attends l'autorisation de maman Jean. Je m'en vais de toute façon. Bonne nuit à vous tous. Que vous soyez bien.